pied ce soir dans les intentions pendant 20-25 minutes. Il y a les échecs au pied, mais vous allez vous payer et vous récompenser avec ces essais-là. Et puis vous êtes retombé dans cette indiscipline qui vous coûte très cher sur cette fin de première mi-temps. Ouais, il y a d'abord un très bon début de match, vraiment très bon, avec en plus on marque, même si on n'est pas efficace au pied, on marque de beaux essais. Mais surtout, le grand regret, même si c'est la discipline, c'est qu'ils viennent deux fois dans notre camp, ils marquent deux essais. Pas très construit, plutôt vite, voilà. Et on les encaisse trop vite, une fois de plus. Donc on avait fait des progrès sur l'aspect défensif. Et là, on est trop fragile. Et bien sûr, après, au lieu de jouer une mi-temps, moi je pense qu'à la mi-temps, on peut être à trois essais à un, il n'y aurait rien à dire. Mais le fait que, après, moi, c'est la première fois que je le fais pas d'habitude. Mais je suis allé féliciter, je suis allé dans l'investir d'Aurillac pour les féliciter parce que. Autant ils ont résisté sur la première mi-temps, ils avaient le vent, ils ont un peu déjoué, ils n'ont pas trop. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont fait le match qu'il fallait, alors que nous, non. On avait comme plan de jeu d'occuper, d'avoir le vent dans le dos et d'aller jouer un peu chez eux pour après construire nos actions. Puis on a voulu surjouer, pas efficace sur les rucks, alors que notre conquête est plutôt correcte. Voilà. Donc on passe à côté d'un match qu'on aurait dû se rendre plus facile. On met souvent en avant les qualités de Briac au niveau du paquet d'avant. On a vu que derrière, c'était quand même assez solide, assez costaud. Mathis, comment tu as trouvé cette équipe d'Aurillac en confrontation directe comme ça? On s'y attendait de toute manière. Hein. De toute façon, Aurillac, bon, je ne les ai joués qu'en espoir, mais c'était déjà épais devant, épais derrière. C'est leur style de jeu, donc on s'y attendait et puis on n'a pas été surpris. On a bien résisté malgré ouais, deux essais assez pris assez rapidement sur un plaquage raté et puis ça fait kin. On s'y attendait et puis ouais, on se bouffe le match tout seul, quoi. Il y a des absences, hein, des absences de joueurs, ça fait partie du jeu, hein, tu l'as dit souvent, des postes clés ou des joueurs qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas forcément du vent. Est-ce que c'est un peu aujourd'hui ce qui a pêché? Non. Non. Non, on a une équipe qui est une équipe. Il n'y a pas de. Voilà, on va dire, il y a Mathieu Gall qui est blessé. Il y a quelques joueurs comme ça, mais Jakub Botika, ça fait deux matchs qu'il est excellent, qui nous fait gagner. Donc aujourd'hui, un échec au pied, ça peut arriver, ça c'est pas très grave. On a l'équipe qu'on voulait mettre, même s'il y a des bobos, c'est des choix. Il y a des joueurs même légèrement blessés que j'ai préféré laisser dehors du groupe parce que je veux mettre les joueurs en forme. Non, on n'a aucune excuse à trouver à ce niveau-là. C'est juste que voilà, on fait le match qu'on voulait, on tire le ballon, on possède, on a à la 20e minute, on a 74% de possession. Et malgré ça, on prend deux essais. Donc on est encore fragile et là où on est encore fragile, c'est que dès qu'on est un peu dans la voie, dans l'adversité, dès que ça résiste ou qu'on a des petits coups du sort, on baisse la tête. Alors on avait réagi, mais en haut, à la 60e, je dis que les miracles, ils n'ont pas lieu tout le temps. Voilà, c'était un miracle contre Vannes, on s'est vraiment accroché contre Nevers, qui avait gagné à Massy, donc c'est un bon résultat. C'est sûr qu'aujourd'hui, si Jaco met sa pénalité, on passe à plus 5 à la 60, à la 65e, peut-être que ce n'est pas le même match, mais on ne le fait pas. Mais on ne peut pas se dire que c'est la faute du buteur, parce qu'on a trop d'indiscipline, des ballons grattés sur les rucks, des en avant trop faciles. On n'a pas pu faire tout le match qu'on a fait pendant 20 minutes, c'est-à-dire tenir le ballon, avoir des rucks rapides et réciter un rugby qui nous plaît, mais qui à l'arrivée n'est pas efficace. Mathis, justement, le rugby qui plaît, on avait vu beaucoup d'alternance dans le jeu, beaucoup de jeux au pied, que ce soit ici contre Vannes et à Nevers aussi. Il y en a eu un petit peu moins ce soir, c'était la volonté de les déplacer vraiment avec le ballon en main. On savait qu'ils avaient un pack assez lourd, donc ouais, on s'était dit aussi de les déplacer beaucoup, ça a bien marché en première mi-temps. Mais là, on a un peu manqué justement sur les sorties de camp, je pense que là, c'est là qu'on progresse. On arrive à scorer, on reçoit, et on sort mal de notre camp, du coup on reprend des points et on n'arrive jamais à creuser l'écart. Donc ça va être, je pense, l'axe de travail. Le coach qui verra ça, mais je pense que ça va être un axe de travail. On soit précis, après c'est dur. Et puis pour moi, on n'a pas tapé assez fort dans les, voilà, dans les rugs. Ils ont été meilleurs que nous. Ils arrivent à tenir le ballon une minute et demie à la fin sur le pick and go. On a subi beaucoup de plaquages sur ligne de front. Alors avec eux, avec un jeu assez simple, un jeu direct, on a à chaque fois. Voilà, on a dansé avec les. On ne les a pas que butés. On les a pris sur le. Sur le rab, on a subi, donc difficile de contester aussi, donc c'est eux qui ont eu la possession. Alors que eux, nous, dès qu'on était pris, ils étaient plus vite que nous au sol, ils étaient plus rapides. Voilà, on sait que cet axe il est important, surtout en Pro D2, où ça conteste quasiment dans tout le rack. Donc au début, on avait les ballons rapides, donc c'est facile. Et puis à partir de la 25e, 26e, après ces deux essais encaissés, on a commencé peut-être à être un peu plus timide, un peu plus timoré, moins précis.
Voilà, après Aurillac a fait le coup. La supériorité numérique, ils ont 10 minutes, vous marquez que les 3 points de la pénalité qui est consécutive au carton. Ouais. Ça, on a l'impression que ça a manqué un peu d'entrain, que vous n'avez pas réussi à passer le levier un peu plus haut. On a beaucoup joué chez nous en deuxième mi-temps et on n'a pas su les étouffer dès qu'on avait des possessions, au bout de 2-3 temps de jeu, on se faisait gratter le ballon, on faisait un en avant, donc on n'a pas été assez bon dans ce secteur-là, donc il n'y a pas de secret. Nous, il faut qu'on a besoin de faire beaucoup de temps de jeu pour marquer. Eux, ça va plus vite, ils marquent des faciles. Hein. Le premier essai, c'est Jaco qui rate le plaquage et Pierre derrière, donc alors qu'il n'y a pas de supériorité numérique. Nous, on se les épaulait, les essais, il y a eu de mettre un raffut, il y a eu 7 ou 8 ans de jeu avant. Voilà. Donc il faut qu'on soit plus fort. C'est ralent parce que c'est un coup d'arrêt sur la dynamique qu'on avait, sur le comptablement. Voilà, on aurait pu être avec 9 points ce soir et vu tous les autres résultats, on aurait été encore bien. Là, voilà, on redescend un peu, on va dire, à notre niveau. Mais j'aurais espéré qu'on soit un peu plus longtemps en haut pour justement aller aborder le match d'Aix avec un peu de confiance. C'est-à-dire, on va aller à Aix, ils sont à 3 défaites. Voilà, on a un petit avantage sur eux, c'est eux qui auront la pression, à nous de faire le match qu'il faut pour amener des points. Là, tu n'as pas vu le match, Vincent, mais déjà dans ta tête, tu as déjà ce qu'il va falloir travailler en début de semaine. Oui, mais je vous l'ai dit, bien sûr, mais on le sait, il faut travailler, mais il y a un point de rassurant, c'est notre conquête. Qui est plutôt... Là, aujourd'hui, on avait peur de se mêler d'Aurillac, on a plutôt bien répondu. On a nos ballons, en touche, on a réussi à les perturber, à leur faire rater des lancers. Donc on a fait le boulot à ce niveau-là. Je le répète, c'est notre agressivité, notre capacité à trouver. La semaine dernière, on a tapé 32 coups de pied, même si on les a tapés aujourd'hui, on a tapé moins, mais surtout moins bon de qualité. Voilà, il y a des tournants, il y a le coup de pied direct en touche de Jaco, alors qu'on mène de 2 points. S'il trouve ce touche indirect, c'est en 50-22, ça nous permet d'avoir une possession dans la 22 mètres. Ballon sort directement et derrière ça tourne pour une position. C'est tous ces petits détails. Voilà, et ça, je n'incrimine pas du tout nos buteurs ou botteurs, c'est juste à travailler, retrouver de la confiance et continuer à bosser. Quand on a des matchs comme ça, on va en vivre, vu les résultats de ce soir dans tous les stades, des matchs au couteau, on va en vivre toute la saison. Mathis, deuxième saison ici, on te sent de mieux en mieux, on te sent à l'aise. 2 essais depuis le début du championnat. Tu retrouves un peu tes habitudes, tu aimais faire. Parce que quand on t'avait vu, tu nous avais dit que tu avais un profil de joueur, justement quand tu m'as blessé, c'est-à-dire que sans aller forcément dans l'évitement, mais aller dans le côté frontal, tu te retrouves un peu, tu es de mieux en mieux. Ouais, et puis le fait d'avoir la confiance des coachs aussi, ça permet de mieux s'épanouir. Puis Vincent fait que de le dire, le groupe est super bien. C'est pas rien de mieux, donc je prends plaisir, je prends confiance. Et puis ouais, donc après, j'ai jamais été un grand marqueur au niveau des stats, j'ai jamais été le meilleur marqueur, mais pour l'instant, ça me porte chance, donc tant mieux. Vincent parle de coup d'arrêt, il est prêt le groupe justement, vous saviez que la saison tout n'allait pas sourire. Vous êtes prêt justement à prendre ce que vous avez pris ce soir, une petite claque derrière la tête? Mais de toute façon, ça allait arriver un jour ou l'autre, hein. Être vaincu à domicile, c'est compliqué. On est promu, donc ça met une claque derrière la tête, ouais, surtout au vu du match où on a les moyens de gagner. Il n'y a pas 20 points d'écart à la fin, ouais, très frustrant. Merci.